Je tiens quand même à rappeler pour ceux qui viennent de découvrir cette petite série que nous sommes déjà au 5e. Oui, déjà l'épisode 5 sur les persos de Fairy Tail. Ça passe vite quand même. Alors si vous avez suivi un petit peu mon programme de vidéos justement sur ces personnages, vous devez savoir un petit peu quel sera le sujet principal de la vidéo. Oui, vous l'aurez compris, on va parler du beau, mais du néanmoins ténébreux, Rogue de Sabertooth. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ce mage m'a toujours intrigué. On l'a toujours vu un petit peu mystérieux, renfermé, sombre. On ne connaît pas véritablement ses véritables intentions. Oui, j'ai dit véritablement véritable. Et alors ? Petite piqûre de rappel, parce que oui, il y a des gens sur cette belle planète, des gens qui n'ont jamais vu Fairy Tail et qui ne savent pas du tout ce que c'est. Mais donc, pour rappel, le petit Rogue est un chasseur de dragons de l'ombre. Et il est d'ailleurs le dragon jumeau avec son partenaire Sting. Ce qui est assez intéressant, c'est que Rogue est quand même un personnage de très calme. On ne peut pas dire qu'il est fan des combats en général, mais il se réserve pour son duel face à Gajil, le duel qu'il attend depuis qu'il est tout petit. Ce qui me plaît le plus chez lui, c'est un petit peu sa partie obscure, son côté méchant, avec notamment le fameux Rogue du futur qui est, il faut le dire, beaucoup plus imposant que son homologue du présent. Le Rogue du futur possède une personnalité complètement différente. On le voit beaucoup plus sombre, beaucoup plus intelligent, déterminé, et surtout il est quand même assez torturé dans sa tête, il faut bien le dire. Dans son esprit, c'est un petit peu bizarre. Je sais qu'il y a une chance sur 10. Non, pour être exact, je dirais même qu'il y a presque 8 chances sur 10 que vous me détestiez après ce que je vais vous dire, parce que, voilà, vous allez me jeter des pierres, et je le comprends. Ne visez pas le visage, s'il vous plaît. Je suis véritablement, profondément désolé pour tous les fans de Fairy Tail et pour tous les fans de Rogue en général, mais pour moi, le Rogue de Sabertooth n'est rien comparé au Rogue du futur, qui est tellement beaucoup plus badass et beaucoup plus imposant que lui. Et n'oublions pas qu'il a une meilleure histoire que le soi-disant Rogue qui attend d'affronter Gajil avec impatience. Ce qui est vraiment dommage, mais quand je dis vraiment dommage, c'est que l'anime nous le montre comme quelqu'un de méchant, sans scrupules, horrible, malfaiteur, tout ce que vous voulez, tous les noms de méchants, alors que les intentions du Rogue du futur sont tout à fait honorables. Après tout, pourquoi est-ce qu'on devrait lui en vouloir? Son seul et unique but, c'est de vaincre Acnologia. Le vaincre, mais aussi, par la suite, il aimerait devenir le roi des dragons. Ce qui veut dire qu'il aimerait devenir beaucoup plus fort qu'il ne l'est. Vous imaginez, donc il a quand même l'intention de progresser encore davantage. Et je vois pas ce qu'il y a de mal à tuer Acnologia ou devenir un roi. Au contraire, c'est peut-être même la bonne chose à faire pour lui. Je suis désolé, encore une fois, mais on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir de l'ambition. C'est quoi ces histoires? Peu importe sa nature, qu'il soit méchant, gentil, un enfant, un adulte, tout ce que vous voulez, une personne qui a de l'ambition, c'est magnifique, les gars. C'est sublime, une personne qui a de l'ambition, comme Rogue. Le Rogue du futur, hein. Pas le Rogue du présent, pas le petit faible. Bon, d'accord, j'avoue que tuer la Lucie du futur, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, hein. Déjà, pour énerver Natsu, tu as réussi, donc sur 10, bravo, tu as eu un 10. Et la deuxième, elle avait encore eu le temps de rien faire, donc toi, tu l'as tué comme ça, et voilà, c'est tout. C'est pas bien, mon petit Rogi. Attention, attention. Alors, je ne sais pas vous, mais ce qui est quand même le plus intriguant chez Rogue, c'est bien sûr son ombre. Déjà parce que ça fait partie de sa personnalité en elle-même.
Donc vous imaginez, ça fait partie de lui. Mais aussi, c'est un petit peu son côté de méchanceté qui est toujours là et qui sera malheureusement, je pense, toujours présente. Surtout que à cause justement de cette maudite ombre noire, eh bien ça cache un petit peu sa véritable force. Il me semble qu'elle a quand même réussi à prendre le dessus, c'était lors de la finale des Jeux Magiques, c'est ça, dans l'acte de Fairy Tail contre Gajil, où on voit un petit peu l'ombre de Rogue sortir de sa torpeur et vraiment exploser un petit peu sa force, mais ça n'a pas trop marché contre Gajil. Deux personnages. Deux personnalités tout aussi différentes les unes que les autres. Vous imaginez deux personnages qui portent le même nom, mais qui pourtant au niveau de la personnalité et du développement du personnage, c'est pas pareil. D'un côté, on a quand même un Rogue un petit peu mystérieux, timide, et de l'autre, on retrouve un Rogue du futur avec une intelligence hors norme et une force de combat extraordinaire. Vous imaginez comme c'est complètement différent? Mais, eh bien oui, il y aura toujours un mais dans cette émission. Il y a un point commun qui rassemble nos deux personnages, c'est leur obsession pour le pouvoir, pour la force. D'un côté, on a un personnage qui veut absolument, depuis son enfance, affronter son plus grand rival pour montrer qu'il est le plus fort et pour montrer qu'il peut le surpasser. Quant à l'autre, son seul et unique but, c'est de vaincre son ennemi juré, l'anéantir, le détruire, pour prouver une fois pour toutes sa domination au monde entier. Ah, c'est compliqué tout ça. Au final, malgré cette vidéo, malgré que nous avons discuté pendant quelques minutes, Rogue m'intrigue toujours autant, c'est vrai. Il y a toujours une part d'ombre que je n'arrive pas à éclaircir sur lui, que vous, peut-être, vous avez éclairci, je ne sais pas. Mais je pense que c'est ce qui fait qu'on aime ce personnage, c'est qu'il ne se révèle pas tant que ça, et qu'on a quand même envie d'en découvrir davantage sur lui. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, mystérieux, mais on l'aime quand même. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous en avez appris un petit peu plus sur notre petit chasseur de dragons. Alors avant de passer aux abonnements et tout ça, donc vous connaissez la chanson, commentaire direct après la vidéo, vous tapez votre prénom de personnage préféré dans Fairy Tail, vous le mettez en commentaire, votre idée, ce que vous avez envie, vos désirs, et j'essaierai d'y répondre, parce qu'on a déjà une belle liste, mais j'ai envie qu'elle continue, donc... Attention, si vous avez des idées, d'esprit stellaire de Fairy Tail, vous pouvez les mettre, parce que oui, on va également parler, donc allez-y, commentaire, tout de suite, maintenant, allez, dépêche-toi. Si tu n'as pas encore rejoint la minute en vrac, eh bien c'est le moment de le faire, eh bien oui, à la fin de la vidéo, tu pourras eh bien appuyer sur un petit bouton, c'est trop top, tu vas voir, ça t'envoie direct sur ma chaîne, ou alors juste en bas, eh bien il y a une petite cloche, tu peux appuyer dessus, ça ne fera pas ding-dong, ça pourrait. Mais elle t'avertira quand je sortirai une vidéo tous les vendredis, ou un vendredi sur deux, ça dépend. Et voilà. Et tu peux aussi aller jeter un œil à ma page Facebook, voilà. Comme ça, tout est dit. Allez, je vous dis à la prochaine, on se retrouve mercredi dans News Geek, ce sera sans faute, parce que j'ai commencé mes stages cette semaine, donc je dois vous avouer que j'étais un peu à plat, donc j'avais pas la force de le faire pour aujourd'hui, le News Geek, donc... Ce sera pour mercredi prochain, mais rassurez-vous, le texte est déjà écrit, il n'y a plus qu'à le tourner, les images ne sont pas encore choisies. Mais ça arrivera. Bref, cette vidéo a duré beaucoup trop longtemps. À la prochaine, portez-vous bien, n'oubliez pas les commentaires, et à bientôt pour de nouveaux épisodes sur Fairy Tail. Bisous les amis, ciao !